Allora, salve, oggi è domenica, bonjour, bonjour, c'est dimanche. Come vi ho detto nel video precedente, parliamo di politica. Come je vous ai dit dans la vidéo d'avant, on va parler de politique. Adesso mi spiegherò in francese, dopo farò un riassuntivo in italiano. Non so se mi spiegherò in francese. Et après, je dirai un peu de paroles en italien. Alors, les journalistes ne vous racontent pas toute la vérité. Au contraire, ils vous racontent très peu de choses de ce qui se passe en Italie. Il faut savoir qu'en Italie, il n'y a plus de démocratie. L'Italie, c'est devenu un pays de dictateurs. Que le peuple n'a plus le droit de dire la sienne. Il a beau faire des référendums, mais ça passe pas. Dans le gouvernement, il n'y a que des PD, ça veut dire des communistes, qui font de leur tête. Ils imposent leur règlement. Ils ont imposé ces derniers temps l'entrée voulue par l'Italie, voulue par le gouvernement, pour les clandestins de tout genre. Comme ça, ils dépenseront, ils sont en train de dépenser 35 euros par jour à tête. Ils les maltraitent, ces clandestins, qu'ils croient qu'il y a l'Amérique, et à la fin, ils se rendent compte que ce sont seulement des animaux. On profite sur leur dos. Parce qu'ils les mettent 10 ans d'une chambre 4 par 4. Vous vous rendez compte, c'est des coopératives. Les coopératives, on sait que c'est communiste, malheureusement. Et ça continue. Après, quand ils se réveillent, ces clandestins, ils commencent à bloquer les routes. La police ne fait absolument rien. Ils cassent l'hôtel. Ils dérangent les personnes dans la journée. Ils vont dans les supermarchés à vous obliger de demander de leur donner un euro, sinon ils cassent votre voiture. Ils font des parkings abusifs. Voilà ce qui se passe en Italie actuellement. Parce qu'ils n'ont rien en dehors, parce qu'ils ne prennent pas les sous. Ils prendront 2 euros par jour. S'ils leur donnent 2 euros par jour, ils en auront. Mais étrangement, ces clandestins sont bien musclés. Ils ne meurent pas la faim. Bien habillé, avec des téléphones que même pas moi je peux me permettre. Hein. Moi je vous fais voir mon téléphone que j'ai là. Ça c'est mon téléphone. Hein. Eux ils ont un smartphone, tous les guides là. Et tous les jours ils sont en train d'arriver et l'Italie les prend. Mais le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Le peuple, il ferme ses yeux. Il se lamente quand les clandestins ils les envoient. Dans leur village, dans leur ville. Alors là, tu les vois qui se lamentent. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Un Italien qui perd son travail, il n'a pas le droit à la CAF, il n'a pas le minimum pour manger, comme il donne à la CAF 450 euros par mois. Ça n'existe pas en Italie. Donc ces gens-là, ces jeunes-là, qui ne travaillent pas, qui ne trouvent pas de travail, ils vivent sur le dos de leurs parents qui touchent la pension, mais une fois que les parents seront morts, qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là? Ils vont finir en dessous dans un pont. Et le clandestin, il est en hôtel. Et l'autre, il est allé dormir dans une tente ou dans sa voiture. Le problème est que le peuple, il fut un temps où on disait l'union fait la force. Mais moi, je vois que chacun pense à soi-même. C'est une erreur. Chacun pense à son jardin. Si de côté, de droite ou de gauche, ou de front, ça brûle, ils n'en ont rien à foutre. C'est une mauvaise idée, ça, parce que ça va brûler aussi chez nous. En Italie, ça va finir que ceux qui ont encore la chance d'aller en pension, parce qu'il faut savoir qu'ils ont intention de porter la pension à 70 ans. Il faudra travailler jusqu'à 70 ans, mais où on est là?
ils font des réformes toujours dans la partie basse, jamais dans la partie haute. Eux, ils se montent et ils enlèvent d'autres. Et l'Italien, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, en espérant qu'il y a un autre qui se fera avant, qui va se faire tabasser pour lui, que lui reste derrière sa fenêtre, dans son balcon. Et quand il voit que les choses vont bien, il va lui, et il va faire sa force, il n'a rien fait, et c'est lui qui va prendre la médaille. Celui qui a pris les coups ne prendra rien. Et c'est fini tout ça. Donc, en Italie, tout ce qui se passe, c'est à cause du peuple. C'est le peuple qui est responsable. Le gouvernement, c'est salopard. Ils en profitent. Ils se mettent même à rire dans les télévisions. Ils n'en ont rien à foutre. Quand tu vois un des communistes PD, qui dit, mais on ne peut pas les renvoyer en arrière. C'est moi, je suis un chef, un président d'un pays africain. Mais vous savez qu'est-ce que je vais faire, moi? Les bons, je les tiens. Les mauvais, ceux qui sont en prison, je les dégage et je les envoie en Europe. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Comme ça, je vide les prisons. Voilà. Donc, allez manifester dans les rues, dans les places, dans les rues, ce que vous voulez. Ça ne sert à rien. Parce qu'il y a des groupes qui se mettent au milieu et ils vont faire des désordres. On les a déjà vus, ces désordres. Donc, l'unique chose à faire, chacun reste chez soi à la maison, mais tout le monde, on n'achète plus rien, on ne mise plus la voiture, si on doit manger de la soupe avec du pain dur dedans, on le mangera pour le bien des enfants, des futurs enfants, parce que ça, sinon, c'est... tout ce qu'ils ont fait les anciens, ça va tout être perdu. Ils ont combattu pour avoir ces droits-là. Et ça va venir aussi en France. En Italie, c'est déjà dedans. Mais je répète, c'est la faute au peuple. Donc, comme je disais, faire une grève totale. C'est clair que qui a des dettes, qui doivent payer leur maison, que de toute façon, votre maison, c'est pas une garantie pour vous, mais c'est une garantie pour l'État. Faites une seule erreur et ils vous la mangent. Une fois, on disait, j'achète la maison pour ne pas payer le loyer. Mais aujourd'hui, vous payez un loyer. Vous payez une taxe d'habitation, vous payez une taxe sur la maison. Que si on fait, si on somme tout cet argent, vous payez un loyer qu'on payait dans les années 80. Vous n'avez rien gagné. Aujourd'hui, investir dans une maison, ça ne vaut pas la peine. C'est une garantie seulement pour l'État. C'est ce qui se passe en Italie. Et tous ceux qui auront une maison, ça va finir à l'État, parce que l'État est mal mis. Mais eux, ils mangent bien. Mais c'est ceux qui sont en dessous qui vont dans la merde. En Italie, ils ne disent pas les journalistes. Quand je suis allé en Italie dans les années 83, un qui travaillait à la poste, un qui était professeur, avec moins de 20 ans de travail, il allait en pension. Ça veut dire que lui, à 40 ans, il allait déjà en pension. Et il le disait déjà là, tout ça, ça va se payer dans le futur. Et c'est ce qui se passe. Et ces gens-là, ils ne vont pas voter. Ils vont toujours voter pour le parti PD. Parce qu'ils ont peur qu'il y aura aussi là une réforme. Vous comprenez? Voilà ce qui se passe en Italie. Et l'Italie fait... les Italiens ne font rien. C'est dommage. Parce que l'Italie, c'est un beau pays. Moi, j'ai travaillé 26 ans. Comme routier, je peux vous dire, j'en ai vu des villages, j'en ai vu des raisonnements de tout genre. Mais c'est beau l'Italie, hein? La Grande-Garde, la Toscane, Firenze, Florence, très beau à voir, les Marques. C'est un beau pays, hein? C'est dommage que ceux qui sont dans le gouvernement, grâce au peuple, ils font ce qu'ils veulent. C'est une troisième guerre mondiale. C'est une occupation voulue par des idiots qui sont au gouvernement. Et ça, tout doucement, ça va venir en France si on se laisse faire. Hein? Pensez qu'on a voté un président, qu'il a toujours dit avant d'être président,
qu'il enlèvera des droits aux ouvriers. Hein? On l'a voté. Moi, je n'ai pas voté, lui. Ils l'ont voté. Marc et ça, ils l'ont voté, il est sorti, lui. Hein? Ça, ça sera une autre discussion que je ferai de politique. Donc, rappelez-vous que l'Italie, ce n'est plus un pays démocratique, c'est un pays de dictature, voulu par le peuple. C'est tout. Voilà. Je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je vous ai un peu raconté la situation italienne. C'est malheureux, mais malheureusement, c'est ça. Et de jour en jour, ça va pire. Un jour, il va se passer qu'un jeune, il sera obligé de voler un pauvre pensionné qui va faire ses commissions dans un magasin. Et entre le magasin, il va dans sa voiture et il va être frappé pour ce qu'il a dans son chariot. Ça va arriver, ça. Parce que quand tu n'as plus rien et que tu as faim, tu ne regardes plus personne. C'est fini. Ok. Je vous souhaite de passer un bon dimanche à vous tous. Maintenant, je vais le dire en italien, en riassuntivo. Allora, io ve lo dico in italiano, ho un po' parlato della situazione italiana, che purtroppo le cose vanno male perché anche il popolo ne è responsabile, che l'Italia è un paese di dittatura, non è più un paese democratico. Sono i PD che decidono tutto. Negli anni, ho detto che negli anni 80, quando sono arrivato, ricordatevi che c'erano quelli che lavoravano nel pubblico, come la posta, come il professore, che a 40 anni di, con 20 anni di contributo andavano in pensione, cioè a 40 anni di età. Questa gente qui voteranno sempre il PD perché hanno paura che ci sono le riforme. Poi ho detto al francese che le riforme si fanno sempre dal basso, mai dall'alto, cioè da loro. Togliono i diritti acquisiti con sofferenza, la sofferenza dei nostri anziani, e noi stiamo lì a guardare. Ognuno pensa al suo orto, ma il terreno brucia tutto attorno e le fiamme arriveranno anche lì, questo ho detto. E dunque l'unica cosa che c'è da fare è non andare in piazza a manifestare, perché ci sono gruppi che si mettono di mezzo e poi viene il casino. Ognuno sta a casa sua, non usa più la macchina, non spende più, costa che mangia pane e cipolla nella zuppa per il bene dei loro figli. Perché la vostra casa non è una sicurezza, è una sicurezza per lo Stato. E ve la mangeranno. Ve la mangeranno di sicuro. Questo ho spiegato un po' come la situazione. Purtroppo chi ha dei debiti non farà sciopero, ma sarà costretto, perché se io e tanti altri non compriamo più, non andiamo più nei negozi, e effetto domino, ta 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 ta, pum, sarai costretto a fermarti, perché ti lasceranno a casa, perché non si vende, tutto va in deperimento, è la migliore cosa da fare, senza andare a fare casino nelle strade. Che questo governo di merda, che gente di merda, che fanno capire agli altri paesi, se io, come ho detto in francese, se io ero un presidente africano, e sento quelle che dicono i PD nelle trasmissioni, ma cosa faccio? La gente per bene me la tengo. La gente per male che sono in galera, la sposto via, la spedisco in Italia. Svolto le mie carceri. Tanto, come ha detto l'italiano, il PD, quelli bastardi, non c'è altro nome, quelli traditori della patria. Non possiamo spedirli indietro. E allora, siete voi il popolo che dovete agire. Perché loro faranno sempre di testa loro. Ma quando c'è l'unione, c'è forza. Questo è fatto. Mi direte, vabbè, tu di lì è facile a parlare, no? Io ho deciso, io non ci credo all'Italia. L'Italia è bella, l'ho girata tutto per 26 anni. Mi piace la Toscana, Lago di Garda, ho conosciuto molte persone. Bellissima l'Italia, ma l'Italia la stanno rovinando. L'Italia è bella. Mi manca a me l'Italia, non dico che non mi manca, però ho fatto bene di andarmene via, ma per altri motivi anche, e questo ne parleremo nei futuri video. Là. Oh.
con questo video io chiudo, vi auguro di passare una buona domenica, e anche una buona settimana, e sarà la prossima video, non so quando, ma quando capita, ok? Ok, ci vuoi salire, passi un buon semaine, buon dimanche e buon semaine a voi tous. Ah, come toujours. Sinon, après, on me dit que je le cache. Ok. Bye bye.